comme l'abîme n'a pas de profondeur, on a continué à descendre. Donc, pays arrivé dans le carrefour, je vous dis. Donc, c'est dans le carrefour Tintin, carrefour Salma Lazare, Haïti tombé. Vent la Pérez là continue à souffler fort sous pays d'Haïti, sous ville province Noyo, sous région métropolitaine Port-au-Prince, à cause vitesse, zak insécurité, zak kidnapping yo, à prendre dans la capitale là. Pour le week-end, il y a plusieurs cas kidnapping qui sont enregistrés dans la capitale là. Parmi eux, professeur, pharmacienne, Marie-Josette Malvoisin, dans le moment où elle a fait coup dans la faculté de médecine et de pharmacie. Elle a été kidnappée hier dimanche, dans Delma 41, coordonnateur Kazek, deuxième pleine Tigouave, Wilken 17, pendant qu'elle a sorti dans le studio de beauté. Habitant commune Tigouave, précisément zone deuxième pleine, bloquée route là, pour exiger libération Kazek là. Nous apprenons bandit à kidnapper tout propriétaire yon pompe gasoline dans rue Camo, Port-au-Prince. Climat insécurité avec Zak kidnapping continue à valer terrain pendant l'autorité fait silence. Depuis vendredi, bandit yo wete conteneur la police te mette barré dans la zone pour rentrer Gravine. Mettez sous ça la police qui n'est pas trop présent dans la rue, bah plus la pérez toujours. Il a retiré la guéona. Mais tu as réclamé. Oui. Comment ça la police café? Il barre, camarade. Oui, il faudrait t'en pleurer. Et ton coup n'est pas gardé barré. Oui. Ou même, je vais m'en dire quelques millions d'offres. Même, il a crasé. Si barrage, je vois pas de surveillance là-dedans. Oui. Donc, je vais me mettre l'île. Et puis, c'est même ça. Il est la police, elle mène l'opération. Il y en écrivait, il tire des trois cartouches, bandit à Montemon, et puis, il même retourné dans la base. Oui. Et il bandit à retourner, il même vient de la base. Encore. Oui, il reprend le contrôle de la situation. Il tourne, puis mauvais. Pour moi, il fait une sanction. Il passe rail, il colle. Où vient la merde? Oui. Où vient la merde? Donc, sa situation tête chargée, les amis auditeurs. La police qui n'est pas présente même dans la rue, bah plus la Pérez, en pile citoyen dans la capitale, la continue à demander aux autorités, prendre responsabilité pour permettre la population capable de râler en souffle. Reportage, Jean-Georges Blaise. Journée aujourd'hui, personne ne pa connaît qui côté au garde face avec une situation comme ça qui court. En pile, mon a demandé qui sa autorité en place attend pour garantir l'ordre de sécurité dans la ville qui jusqu'à présent en bas contrôle. Bandit kidnappé. Ça qui attire l'attention au monde plus toujours, c'est agent PNH qui pas tellement visible dans la ria, surtout depuis après dernière opération ratée la police là, dans le village des dieux, 12 mars qui sont passés là. C'est constat Pascal Dujous parmi un bon lot citoyen dans la capitale qui critiquait laisser aller autorité en place dans le dossier sécurité qui pas piti principalement dans Port-au-Prince. Ou à vivre dans nos pays, quand on parle de présence de la police, ou pas, ça veut dire, ou pas l'État présent, parce que lorsqu'on parle de la police, ça veut dire c'est présence de l'État. Et bien l'État pas présent dans la rue, ça veut dire l'État abandonné pays, il laisse les citoyens, à eux-mêmes, il a dégagé. Il a la tête de sécurité, il a dégagé tête, il a fait gens comprendre. Je veux dire là, pays, soit gardé dans le centre-ville là. Ouais, c'est une ville qui est désertique. C'est comme si moun nan pa gen une extrême urgence, quand que moun nan connaît ça, chercher c'est bagay qui est capable et utile tout bon vrai, yo pas prend la rue. Et malgré tout ça qui est annoncé comme mesure pour tenter joindre une amélioration dans la situation, tant qu'au question des vite machine nan, bandit kidnappé yo au contraire semblait vin pi déchaîné dans la rue. Ça qui cause Van la Pérez a soufflé plus fort dans la population qui aux abois face avec phénomène insécurité qui fait tout le monde craser rac depuis le soleil couché. Pas de aucun monde qui a permettre de luxe pour dire sortir dans la rue, pour dire entrer la caillou sans péreuse ou bien secrète. Je dis à la chaque grand monde qui est dans la rue, où est l'homme qui marche fort dans le monde, il est prêt pour le péter pour lui. Aucun individu n'est pas acceptable de vivre dans le pays. Non, il y a une situation comme ça. Côté que aucun monde pas capable à monde, vu un problème, chaque monde paie yon l'autre. Si on compte avec un monde là après pour demander nos indications, mon n'a prêt pour le coup. Et bandit kidnappé prend contrôle situation, non au moins côté pas rien qui coclait dans climat politique là, connaît à crise socio-économique pays qui d'ailleurs bail plus qu'à casser toujours selon même compatriote ça yo. Paul Evans parmi citoyens ça yo. Abdi, qui s'acte à deux fêtes pour corriger la situation.
ou état-major la police là, avec CSPN, non? Si vous n'êtes pas capable de prendre ensemble de dispositions pour garantir la sécurité de la population, pour permettre à mon facteur occupation, apprendre à l'occasion de quitter ça, pour laisser place là avec l'autre équipe qui est capable de bailler la population en sécurité, parce que nous n'êtes pas capable de payer une équipe, moun, et puis côté nous livrer à nous-mêmes. Nous, pour un pays, côté que la paix a régné. Nous pouvons payer côté que les gens vivent en sécurité. Nous pouvons payer côté que le chômage a diminué considérablement. Et nous connaissons pour que toute bagaille ça arrive fait, il faut gagner sécurité dans le pays. C'est l'État qui prend responsabilité, mais comme nous avons l'État qui n'existe pas. Je veux dire, c'est le peuple qui prend responsabilité. Envers chaos, le pays a privé là-dedans. Si nous pas choisir Chita pour aller ensemble, tout acteur dans le pays là, c'est nos cas au pays à privé là, il n'y a pas le grave. Est-ce que l'autorité en place a continué à tout faire examen aux légués sur le territoire? Et pour qui ça, pour qu'on ait une bonne disposition qui prend pour démanteler les réseaux gang qui a fait ça au pipito dans la ria côté à ta policier par épanier en bas action malfecteur. Et qui laisse tout qui t'a gagné intérêt dans tout des autres ça, ça qui c'était. En tout cas, pour un pilote monde, question de sécurité qui t'a gagné marraine avec parraine, pas innocent selon yo, dans le contexte politique là. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci Jean-Georges Blaise, c'est confirmé, bandit enlevé Marie-Josette Malvoisin, professeur dans la faculté de médecine et pharmacie. Samedi, on a eu un premier temps où tu as parlé de disparition avant famille, après l'annoncer professeur a kidnappé suite à un appel ravisseur qui fait qu'on est effectivement Madame Malvoisin, non mais au lycée tout responsable de la pharmacie. Ces journées, membre association pharmacien d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean a dirigé, Pierre-Hugues avec nous. Bonjour, association réunie en urgence matin sous cas enlèvement ça qui concernait Yon Mambli. Mais avant ça, une première réaction sur enlèvement Madame Malvoisin qui est membre association pharmacien d'Haïti. Bonjour Pierre Wenel, bonjour Guerrier, bonjour Bosté, bonjour avec les PDG à Patrick Moussignac. Et nous saluons tous les auditeurs, de toutes fidèles auditeurs de journal pour une occasion. C'est vraiment une opportunité que nous avons et pour nous parler de gros et causer ça qui passe dans le week-end. C'était pharmacien Marie-Joseph vraiment kidnappé. Le professeur, ça c'est pendant qu'il sortit de la faculté, il est tout très court. Donc ce route-là, pendant qu'il a retourné, malheureusement, et qu'il a kidnappé. Et l'association condamnait fermement de montée exponentielle de insécurité qu'il y a dans le pays. Donc, tout le monde l'a vu, tout le monde en danger. Donc, tout le monde dans la société, à quelque chose, tout le monde l'a vu en danger. Donc, situation ça, vraiment, pendant le week-end, il fait plusieurs victimes. Donc, nous gagnons plusieurs professionnels de santé qui sont victimes déjà. Et donc, le week-end, la machine de sécurité a frappé encore. Donc, il y a plusieurs monde qui sont victimes. Donc, on déplore profondément toutes victimes. Mais parmi lesquelles, nous avons une pharmacienne Marie-Josette Malvoisin, qui est membre APH, hein, c'est qui est professeur dans la faculté de médecine et de pharmacie. Et donc, malheureusement, qui est victime. Nous, même au niveau de l'association, hein, nous exigeons libération et pharmacienne, non? En condition, parce que c'est un monde qui est là qui a formé jeune. Donc, on est presque sûr que la vie sérieuse, il y a une famille, un proche, qui n'est pas eux-mêmes, qui joignent soin déjà dans le même monde que le professeur a formé. Et vous voyez, donc maintenant, c'est comme s'il y a des propres droits qui ont été servis. Donc, vraiment, maintenant, des métiers pour libérer le professeur, pour continuer à faire activité, pour commencer, pour continuer à aider la société. C'est parallèlement avec un peu les autorités, pour prendre des dispositions nécessaires pour nous résoudre le problème. Ça, parce que vraiment, tout le monde est épargné, tout le monde s'est bloqué la caillou. C'est vraiment une urgence que mon sortie de vacances.